Salut à tous! Vous l'aurez peut-être remarqué en voyant l'immonde déception qu'on avait eue et ce qui traîne sur le pas de la table. On va aujourd'hui avoir la chance de déballer ce qu'il nous manquait au moment de la trahison, quoi, au moment de la grosse déception, les 24 jours de déception. J'ai nommé la DeLorean de chez Playmobil. Voilà, donc on va l'ouvrir déjà en espérant que ça soit un peu moins décevant que ceux auxquels on a eu droit avec leur calendrier de l'Avent. En même temps, je pense qu'on peut difficilement faire pire qu'avec les calendriers de l'Avent. Ils disent de découper là, mais... ils disent de découper ici. Mais on s'en fout. Hop là. Ok, voilà ce qu'on a là-dedans. Plus de pièces que dans le calendrier de l'Avent. On a du coup deux sacs, trois sacs avec leur petit dock, un bloc de pile, je sais pas, il y a un bouton là, mais il se passe rien, il y a un bouton ici, c'est mis au point de bien se faire, mais il se passe strictement rien. La DeLorean, on va tout sortir, encore d'autres pièces. Ok, déjà là, on a un peu plus de trucs que dans les calendriers de l'avant. Alors, on est sur une DeLorean, tout ce qu'il y a de plus simple. Pas monté, hop, pas trop. Les portes s'ouvrent, faut tirer fort. Les portes s'ouvrent, même s'il faut tirer un petit peu, petite porte papillon, toi-même tu sais. Ok, et ben on va déballer les sacs. Alors, hop, il y a des autocollants à mettre parce que les autocollants ne sont pas mis tout seuls. Okay. On déballe tout, hein. De toute façon, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de pièces en rab. Je pense que là, on peut faire confiance à toutes les mobiles. Ah, on a Einstein aussi. Oula, des petites pièces partout. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, par quoi on commence? On va commencer par récupérer le petit fascicule qui nous dit qui on a, Doc, Marty, machin, tout ça. Ok. Et puis, bah, on va suivre. Ok, donc premièrement, coller les stickers. Comment je peux faire pour que vous voyez... Hop, ok. Alors, stickers, on a les petits nombres au-dessus, je crois, comme ça. Ouais, genre là, c'est le 5. Là-haut, là, c'est le 5. Et ils disent que le 5, ça va à l'arrière. Ce qui semble normal, puisque ce sont des feux arrière. Je vais essayer de le faire au mieux en vidéo, au mieux dans le cadre. Mais je vais vous avouer que coller des autocollants, qui plus est, après la déception des calendriers de l'Avent, je vais pas m'appliquer vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, quand elle vaudra des millions, on pourra pas la revendre parce qu'on se sera pas appliqué. Waouh! Tout de suite, ça change tout. Ok, le 11. Il y a un 11 qui vient là. Ah oui, ok, c'est vraiment... Ils se sont pas fait chier, hein. C'est vraiment genre, on va coller la poignée de la porte, bah, l'embrasure de la machin à l'arrière, quoi. Ok. J'aurais dû me prendre dans l'autre sens. La mascotte est intriguée par là. Hop. Ouais, on s'en fout. Hein. Voilà, toc. La mascotte est intriguée par à peu près tout et n'importe quoi, en fait. Sauf que là, ça fait pendant 24 jours, la fontaine, elle a tourné. Ça ne l'a pas dérangé une seule seconde alors qu'il est venu nous voir déballer des calendriers de l'Avent. Hop, voilà. Et du coup, il y a un espèce de petit truc de merde. La 305 machin qui vient à l'intérieur. Il s'agit du
Boîtier de remontage dans le temps. Ok, si j'étais un boîtier de remontage dans le temps, déjà je serais tout petit. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Si j'étais un boîtier, je serais où? Je serais pas là-dedans. Je serais là. Voilà, tout à fait. Évidemment, tout le monde reconnaît le boîtier de remontage dans le temps qui vient donc à l'intérieur. Hop là. Au milieu. Tac. Sais pas si vous le verrez. Il est en plein milieu là, si vous le voyez. Cool. Nickel. Ça progresse, dis donc. Ok, maintenant, il faut qu'on se montre ça. Donc l'espèce de truc énorme, la bulle bleue puis la barre, évidemment. Donc le truc bleu, c'est là. L'espèce de truc énorme, c'est là. La barre, c'est là. Ok, donc on clipse la barre par-dessus le truc bleu. Ok, ça a l'air d'être remonté vers le haut sur le truc, si je dis pas de conneries, non? Non, c'est remonté vers le bas, donc hop, nickel. On clipse ça à l'avant du truc, dans les deux trous là. Hop, voilà. Et ça, on fout ça à l'arrière, ici. Alors ça se clipse nulle part, il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui se clipse. C'est dans quel sens? Non, c'est dans ce sens-là. Ok, il n'y a vraiment rien qui se clipse, genre. Je pense que ça sera maintenu par après dans les trous là, ce qu'on voit dessous. Là. Mais ok. Donc à l'arrière, on a ça. Qui va venir ici, DeLorean dans le bon sens, ça serait cool. Qui vient donc ici. Voilà, toc. Et on va avoir les espèces. Ça, c'est les poignées de porte, ça. Ah non, c'est les rétroviseurs, ça. Du coup, comme. Si j'étais un rétroviseur, je me mettrais comme ça pour pouvoir regarder derrière soi. Ça, ouais, c'est les deux rétroviseurs. Il doit y en avoir un autre qui traîne. Voilà. J'en ai vu un autre dans la. Ils ont vraiment emballé juste un rétroviseur dans l'autre boîte. En fait, vous avez un autre sachet à l'intérieur d'un sachet dans lequel il y a le rétroviseur. Toc. Il y a le deuxième rétroviseur alors que pas dans l'autre. Ok, il y en a un qui est dans un sachet, l'autre qui est dans un autre, mais pourquoi pas? Ok, donc là on a des jolis rétroviseurs sur les côtés. À l'avant, est-ce que c'est ça à l'avant? Ouais, c'est ça, c'est la marque DMC. Qu'on vient mettre devant, genre devant où? Genre devant là-haut. Voilà, devant là. Ok, donc on a mis les rétroviseurs, machin, tout ça. Là, il montre un truc ici, mais je sais pas si ça veut dire qu'on peut le clipser, mais plus bas ou. Ah oui, en fait, ça rentre dedans, et du coup, ça se clipse. Donc, je me suis planté tout à l'heure, mais ça se clipse vraiment, c'est bon. Ok, je m'ai planté. Hyper important, les roues, lesquelles on peut mettre? Est-ce qu'on met celle d'origine ou est-ce qu'on met les rouges? Je crois qu'on va mettre celle d'origine, hein, histoire de. Oh. Écoutez, on va monter celle d'origine déjà, c'est-à-dire juste clipser le pneu dans la super jante. Hop, comme ça donne l'impression aux gosses de faire des trucs. Hop, une fois que les pneus sont montés, on mettra les rouges quand même qu'on a eu dans le calendrier de l'avant, histoire que ça ait servi à quelque chose que Daniel achète cette magnifique. Hop, DeLorean. Toc. Hop. Ah, puis il faut qu'on mette les jantes aussi. Ah, faut qu'on mette les enjoliveurs. J'avais pas vu, mais je vous montrerai après, mais sur le bouquin, ils mettent les enjoliveurs aussi. Qui viennent du coup se placer juste devant comme ça.
Parce que juste monter une pièce où il y a la jante avec l'enjoliveur, non, c'est pas jouable chez Playmobil. Hop. Est-ce qu'on sent un peu les 24 jours d'ouverture de calendrier de l'Avent qui ont un peu épuisé? Il me manque carrément un pneu. Non, il est là, c'est bon. Mais je vois pas le dernier enjoliveur. De toute façon, on a dit qu'on ne les mettait pas, donc on verra à la fin. Hein. On va mettre ces roues-là à la place, les super roues qu'on a eues dans le calendrier de l'Avent. Elles font plus classe. Au moins, ça servira à quelque chose qu'on ait unboxé. Hop, cette merde. Pardon, ces calendriers de l'Avent. Toc. En fait, c'était ça que j'avais pas vu, j'avais oublié l'enjoliveur. Du coup, il reste deux pièces à mettre sur le dessus, qui doit être celle-ci et celle-ci, ces deux-là. Hop, alors comment on fout ça? Ça a l'air d'aller sur le dessus, genre comme ça. Ok, et ça a l'air de pointer vers le bas. Faut le mettre après ça. Hop. Donc ça et ça. Désolé pour le bruit. Donc on a mis ça là et on a mis ça là au-dessus. Ça tourne, donc je sais pas si c'est censé bouger ou pas. Peut-être. Peut-être. Je suis pas hyper doué en machin. Donc encore du collage à faire. On a les petites bandes sur le côté. Donc là, il va nous falloir les petits trucs là. Hop, les toutes petites pièces. On n'avait pas tout sorti. Donc il va nous falloir des petites pièces comme ça. Et les deux barres comme ça. Alors, je sais pas si le truc, il en faut trois. Ok. Donc, il y en a genre une là. Hop. Ok. Donc, il y en a deux à mettre en bas. Toc, sur le bas de la voiture. Hop. Avec la barre au milieu. Voilà. Hop. Et il y en a un, apparemment. Une autre à mettre là qui sera sûrement pour plus tard. Hop, pareil de l'autre côté, les deux en bas. Tac. Une barre. L'autre là-bas. Ok. Ensuite, on a la barre. On a un truc jaune à mettre sur le dessus aussi. On a une poignée jaune à mettre là-haut. Qui genre. Ah non, faut qu'on le clipse là-dedans. Ah oui, je suis un peu débile. Il faut clipser ça là-dedans, sauf que ça rentre pas. Ok, c'est peut-être pas tous les mêmes. Si, c'est tous les mêmes. Ok, donc on clipse le petit truc jaune. Hop, la mise au point, s'il te plaît. Hop. Là-dedans, et ensuite ça vient hop à l'arrière ici. Ça devrait être pour alimenter hop, le convecteur temporel. Ok, donc à l'avant, on a un super truc bleu comme ça que l'on va customiser avec la barre au milieu là. Le 1, donc c'est effectivement ça. Alors, je suis désolé, même principe hein, pour la vidéo, ça va être un peu chiant, mais en gros, voilà. Hop. Et hop, ok, donc ça au milieu. Et sur les côtés, il faut 4 et 6. 4 et 6 qui sont ces deux trucs-là sur les côtés. Du coup, venir sur les côtés. Hop, si c'est bon. Le 4, et je vous montre ce que ça donne. Là, voilà, ça donne juste ça.
ce qui permet du coup de mettre ça à l'avant. Wow. Ici, hop. Toc. Ok, c'est cool quoi, c'est voilà, c'est mis devant là comme ça. Ok, donc on a tout placé maintenant. Ok, donc maintenant il y a des câbles à mettre pour faire passer la transmission. Donc ce sont ces petits câbles là qui sont enfermés dans du scotch. Donc on va prendre le super cutter, pas confondre avec Superman, qui n'est pas un cutter. Yep, c'est fait. Alors, ok, donc en gros, ça vient là à l'avant. Ça passe là et ça vient dans la barre centrale. Hop là, merde. Tel que ceci. Ça monte ici et ça vient là. Et on a exactement la même à l'arrière qui du coup vient se glisser où? Vient par-dessus là, se glisser là-dedans. Dans ce trou là, hop, et qui vient en bas là-bas. Je dois vous avouer que c'est un peu la merde parce que à passer par-dessus, bah ça passe pas en fait. Il faut le tendre à fond. C'est vraiment genre juste comme ça. Il y en a des plus longs ou pas? On dirait pas, on va tester avec un autre. Hein. Bah ça pue la merde. Ça pue la merde, écoutez. Ça vient comme ça, de manière très tendaxe là-dedans. C'est un peu. Bah puis ça lâche en fait. Donc je pense pas que ça tienne hyper bien. Hein. C'est même sûr que ça tient pas bien. C'est vraiment. Et puis sur le truc. Ah non, pardon. C'est moi qui suis une grosse bille. Ok, bon, ça tient pas bien quand même. Mais ça tient pas bien parce qu'en fait, il faut le faire passer sous la fenêtre. Et j'avais cru que c'était par-dessus, mais non. Bon, bah du coup, il faut avoir des tout petits doigts ou s'y prendre un peu mieux. Alors, faites-vous pas avoir si vous offrez la DeLorean. Il faut savoir qu'il faut le passer sous la fenêtre. Ah, excusez-moi, niveau installation, c'est pas pratique. Et ok, ça va peut-être mieux tenir, mais franchement, c'est pas pratique. J'ai déjà vu plus pratique pour faire des trucs à la con. Hein. Bon, après, même principe, j'imagine que créer une voiture qui remonte dans le temps, le but n'est pas vraiment d'être le plus pratique possible. Hein. Ok, beaucoup mieux, c'est beaucoup moins tendu, ça passe comme ça. Après, pour ma défense, c'est vraiment nul, on a l'impression que ça passe par-dessus, en fait. Hein. Bon, pas vraiment maintenant, je suis d'accord. De ce côté-là, on n'a pas l'impression, mais de ce côté-là, on dirait vraiment que ça passe par-dessus. Je me défends comme je peux. Désolé. Enfin, j'aime pas perdre. Ok, donc on fait pareil de l'autre côté. C'est genre pas pratique, mais ça va y aller. Hop. Déjà, commencer par le plus chiant, comme ça, on sera pas embêté. Ok, un côté de fait, donc même principe, de ce côté-là, ça passe ici aussi, et ensuite, on le fait passer à l'avant de la voiture, on le fait venir dans la barre, je suis trop con, on le fait passer à l'avant de la voiture, on le fait venir dans la barre là-bas, et on le passe là-dedans. C'est-à-dire que ça ne tient rien du tout, hein. C'est genre juste comme ça. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, il nous faut ces deux trucs là.
Et il nous faut du coup ceci. Puisque ça va se coller dessus. Ah, c'est en plusieurs morceaux? C'est en plusieurs morceaux. Non, c'est tout le 3 d'un coup, mais... Ok, c'est chelou. On va espérer le mettre dans le bon sens parce que ça m'emmerde. Hop. À la base, on voulait pas la faire cette vidéo. C'est Daniel qui nous a dit. Bah, comme j'avais pris les calendriers de l'Avent, j'ai pris ça, blablabla. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Bah, elle s'est pas tapée l'ouverture des calendriers de l'Avent, je vous jure. Ok, c'est moche, mais c'est pas grave. Ça fait genre ça. On s'en fout, de toute façon, le but étant pas que ça fasse joli. Le but étant qu'on arrête vite avec ça. C'est en trois morceaux. C'est le bordel. Ok, et enfin le dernier morceau pour ce bout-là. Je pense effectivement que ça aurait été en un morceau, ça aurait été bizarre. Mais bon, je me rappelais pas qu'il y avait du bleu comme ça sur la DeLorean. Mais peut-être que sur celle de chez Playmobil, si. Donc ça fait un petit truc un peu comme ça. Hop, on va voir un peu mieux dès que ça aura fait la mise au point autre que sur mes doigts. Voilà, c'est genre un truc qui monte comme ça. Bon, effectivement, c'est pas beau, mais bon. Et ça vient où? Toc, ça vient à l'arrière. Hop, ça vient ici. Là. Il y a deux trous là. Vous voyez, hop, ici, ici. Et puis bah du coup, ça remonte ici aussi. Toc. Ok, donc c'est juste ça. Et bah, même principe, on va se coller l'autre autocollant, celui-ci là. Hop, on va se coller celui-là. Hop. Alors, il y en a trois. Deux. Eh merde, j'ai tombé le truc d'autocollant. Je vais essayer de coller le dernier avec vous. Je peux faire d'ici. Je sais pas si ce sera bien fait, mais de toute façon, encore une fois, le but n'est pas de faire bien. Hop, et voilà. Donc même principe. Hop, ça va permettre de bloquer les fils. On fout ça là, on fout ça là. Hop. Toc, ici ça vient dans le truc. Dans l'autre côté, ça se clipsait, mais ça a l'air d'être clipsé. Et voilà. Voilà le travail. Ok. Et ensuite, il clipse ça là-dedans. Hop, alors là-dedans, où? Je pense que c'est dans l'espèce de truc là. Ouais, il clipse ça là-dedans. Comme une petite auto-tamponneuse. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et c'est déjà quasiment fini. Ok. Ensuite, il faut deux piles, bah évidemment, parce que c'est pas inclus. Est-ce que j'ai un tournevis là ou est-ce qu'il faut que j'aille en chercher un ailleurs? Hop, on va tester avec ceci. Peut-être que ça peut marcher. Oups. C'est pas un tournevis, je vais tester avec ça là, mais c'est cruciforme au bout. Ok, alors. Bon, c'est pas folie folichon, mais ça passe, hein, on va dire que ça passe.
Ok, hop. Donc il faut deux piles, triple ou double A. Triple A, normalement j'ai ce qu'il faut par ici. C'est du triple ça? Ouais, triple A. Pouf. Hop là. Donc on peut mettre ça là-dedans. Une et deux. Ok, ça amène juste des lettres devant. Fixe, ok. On va faire ce qu'on peut pour revisser ça avec cette merde. Hop, un jour on unboxera des tournevis. Hop là. Ok, c'est remis. Et du coup, ils disent de mettre ça à l'arrière. Bah, dessous, quoi. Ils mettent un sens ou pas? Comme ça, ouais, comme ça. Hop. Et voilà. Ça, c'est fou quand même, hein. Pouf. Ok, alors il me semble que ça, ça allait à l'avant. Mais du coup, je sais pas comment ils le fixent. Comment ils fixent ça, à l'avant? Ça allait à l'avant, ça. Ouais, ça se posait juste à l'avant comme ça. Ok, si on veut. Ok. Ouais, c'est un peu cheap quand même. Hein. Un peu cheap. Ah, par contre, c'est rigolo. Alors, pas vraiment, mais semblerait-il qu'on peut, en clipsant... Alors, dans quel sens? Faut pousser. Si on pousse vers l'avant, apparemment... Jusqu'à entendre un clic, mais j'ai pas d'ongle. On peut plier la roue comme ça. On peut le mettre en mode overboard. Hop. Avec ces clips-là. Mais écoutez, j'ai pas d'ongle et ça fait mal aux doigts. C'est un peu de la merde. C'est quelle mauvaise langue. Quelle mauvaise langue. Ok. Est-ce qu'on a les infos de comment on habille les personnages? Oui, c'est tout à la fin. C'est tout à la fin. Ah ouais, ok. Donc, en gros, tout ce qui reste là, donc tout ça, c'est pour la mallette. Ça, c'est cool, hein? Ça, c'est cool, hein? Vraiment, faut pas qu'il s'embête. La tresse, c'est sur le dessus. Donc celle avec le trou au milieu qui vient du coup au milieu là. Ah, ça me saoule. Ah, je pense que vous en étiez rendu compte de toute façon. Trop bas. Je pense qu'on va pas trop s'embêter, hein, parce que. Ça colle même pas avec. Colle même pas avec le trait en fait, mais bon, je pense que c'était trop compliqué, hein. Je pense que c'était trop compliqué. 14, hein. 14, c'est pour les côtés là où il y a les poignées. Je pense quand même que pour la poignée ils vont avoir fait un minimum. Ouais, là ça va. Ok, on va avoir la même chose de l'autre côté. Le 9 et 10, on les a pas collés. Je sais pas où ils vont. On retournera voir s'il faut coller le 9 et 10 quelque part. Parce que c'était pas noté, je l'ai pas vu. Ça ressemble vachement aux deux autres, donc c'est pas non plus très grave.
Hop, on va mettre cela à l'avant. Donc il faut savoir qu'il y a du plutonium. Donc il faut faire attention en portant la mallette. Si jamais vous vouliez porter les mallettes de plutonium un jour dans votre vie, écoutez Playmobil et faites attention. Toujours écoutez Playmobil quand ils vous disent à ce prix-là, les calendriers de l'Avent, c'est donné. Donc, je vous jure qu'à ce prix-là, hop, je connais une paire d'autres trucs qui se trouvent bien moins chers. Ok, bon, on a fait ça à l'arrache, hein, parce que c'est vraiment pas, ça cover pas tout, ça colle pas par rapport, ça fait moche au poignet, machin, ça colle pas. Bref, on s'en fout un peu. Ok, il y a un truc, il y a un 12 à coller sur. Sur ça, sur l'espèce de pelle. Non mais je vous dis pelle parce que après il y a un truc à mettre dedans. Je vous dis pas pelle juste comme ça. Je vous dis pelle vraiment parce qu'il y a quelque chose à mettre dedans après. Parce que genre là on met ça comme ça là, hop, dans le fond. Voilà. Mais après il y a une barre à mettre. Elle est où la barre? Juste, je vous jure qu'il y a une barre à mettre. Regardez ça. Ça va mettre dedans ça. Doit sûrement être en option. Bon, on va voir, on va finir le reste, puis on verra. On va déjà finir d'assembler les trucs là aussi, hein. Hop, ça devrait aller dans la mallette, j'imagine, puisque c'est du plutonium. Ok, donc Marty, il a les moras blancs, il a les manchettes là blanches. Et c'est tout. Doc, il a une petite sacoche. Hop, une sacoche d'outils. Il a. C'est une manchette, ça? Il a une montre. Doc, il a une Rolex. Toc. Et de l'autre côté, il a. Ah, là, là-bas. Faut aller là. Mais Doc, de l'autre côté, il a un truc gris. Il a qu'une seule montre. Il a qu'une montre et de l'autre côté il a un truc gris. Ah oui, non, il a deux montres, il a une grise et une noire. Hop, on a presque plus d'accessoires que dans les calendriers de l'Avent. Ok. Le skateboard de Marty. On met le truc rouge au milieu si jamais il veut monter dessus, je pense. Là, j'imagine que c'est pour qu'il fasse comme ça. Donc on va le mettre comme ça, que Marty monte sur son skate. Ok. Et du coup, ça, ce sont les roues. Je ne sais pas quelle marque de roue c'est, mais je pense que c'est de bonnes roues. Je déconne. Il manque une roue au truc de Marty? Non, elle était tombée. Elle est là. Il n'y a pas de roue en rabin. Il n'y a pas de roue en rabin. Et du coup, ceci qui va aller, qui est quoi? Qui doit être un téléphone. Il n'y a pas besoin de coller un truc dessus là? Non, bon, on va foutre ça autour du cou de Doc, hein. Hop. Et ceci qui a une caméra. Bon, on va mettre ça dans la main de Marty, si ça tient. Et voilà, les gars. Hop. Alors, est-ce qu'on est aussi déçus que les calendriers de l'Avent? Bah, je pense pas qu'on puisse être plus déçus que les calendriers de l'Avent, donc je vais dire non. Mais bon, on n'est pas non plus sur. Sur du truc phénoménal, sachant qu'on n'a nulle part où mettre
mettre ça. On a une paire de roues en plus, mais bon, faut le dire vite. Et puis voilà, donc bon, on n'est pas non plus sur, sur un truc trop fun, quoi. Donc bah voilà, c'était le déballage de la DeLorean. Et puis voilà, elle est dispo chez Playmobil avec d'autres persos. Et puis bah voilà. Puis bah voilà, Einstein il ressemble à quoi? Einstein. Voilà. Ouf, il peut baisser la tête. C'est impressionnant. Impressionnant. Voilà, bah à la prochaine du coup. Salut!